C'est biographique que j'ai écrit sur Charles de Foucault, qui est paru en 2009. On sait ça, Charles de Foucault, moins savant. Le titre dit ce dont il était question. Enfin, C'est vrai que je parle de Foucault, je ne mets pas de côté euh, l'homme appelé peut-être à devenir un saint qu'il était. Et, mais euh, je n'oublie pas qu'il était un savant. Et que si on regarde le temps matériel qu'il a passé à, à travailler à son œuvre linguistique, il a été surtout un savant. On sait que, bon, on a, puisqu'il avait son journal, il travaillait jusqu'à 11 heures par jour euh, à, son, bon, à, ses œuvres, à ses œuvres linguistiques. Et d'ailleurs, son assistant regimbait parfois. <laughs> bon, bon, il était payé, bien sûr, mais quand même, c'était. Et d'ailleurs, euh, on dit souvent, on parle de l'ermitage de Foucault à la Sécrème. Il vivait à Tamanrasset, qui était là purement un village de, de paillotes, là, pour le. Bon. Euh, il s'était fait construire un petit ermitage qui était au départ une paillotte, puis après c'est devenu euh, une maison en dur, enfin en pisé, qui existe toujours, bon, qui était vraiment très étroite. Hein. Et euh, vraiment à la toute fin, étant donné que des réseaux venus du Rio de Oro, des réseaux qui, qui dans les archives apparaissent comme les réseaux marocains, des réseaux morts, euh, venaient hein, faire des, 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 des rasiages jusqu'en pays touareg et euh, ça posait un problème, et euh, Foucault a eu l'idée de faire construire un fortin où la population puisse venir se réfugier en cas d'attaque marocaine, comme on disait. Hein, ça a été achevé, ce fortin qui existe toujours, a été achevé en juin 1916, mais une fois qu'il a été construit, les gens lui ont dit, écoute, il y a ça, viens t'y installer. Que cas... Où on doit s'y réfugier, ce ne soit pas quelque chose de vide et mort, qui est déjà quelqu'un, qui a déjà un peu de vie. Bon, Donc les derniers mois, il les a passés dans ce fortin. Bon, et c'est devant la porte de ce fortin qu'il est mort. Euh, bon, mais, mais alors il a fait un court séjour dans l'ermitage de la Sécrême. La Sécrême qui est vraiment un, dans une montagne, hein, vraiment au cœur du Hogarth. Et beaucoup parlent parce que c'est beau ce, ce moine du désert, ce père du désert dans un ermitage comme ça dans la secrète, Il y a passé trois ou quatre mois. Bon, c'est pas qu'il voulait s'isoler encore plus, c'est qu'il voulait suivre les gens qui allaient, qui allaient hiverner, qui, a, qui a étaient amenés à aller là-bas euh, pour la transhumance. Alors il y est allé, mais il fait assez froid là-haut. il peut faire très froid au Gars, même au Gars. Et son assistant n'a pas tenu. Ils N'arrêtaient pas de rouspéter, bon, euh, se plaindre. Bon, euh, donc ils sont rentrés. Donc, en réalité, le fameux ermitage de la Sécrême, où aujourd'hui on fait des pèlerinages. Foucault n'y a passé que trois, quatre mois. Donc, il était à Taman Rasset. Et euh, alors, les lettres hein, sur le, lesquelles on avait travaillé avec euh, Lionel Galland sont des lettres qui, alors, un certain nombre de lettres lui ont été adressées, alors qu'il a fait un voyage en France. C'est un voyage qu'il a fait. Ah, je perds un peu les dates, ça doit être. Il a dû revenir en début 1913. C'est le dernier voyage qu'il ait fait en France. Je m'excuse, je n'ai plus trop les dates en tête. Mais je vais peut-être regarder, là, je, je dois voir. La... Il a fait trois séjours relativement longs, mais les voyages, les voyages étaient longs. Il fallait traverser tout, tout, tout le Sahara. Euh... C'est en 1913 qu'il fait son dernier voyage en France, il en a fait trois en tout durant son séjour, et il l'a fait accompagné d'un jeune Touareg, un jeune Touareg qu'il aimait beaucoup, qu'il considérait comme son fils ou que ça Il avait l'espérance, parce qu'il avait ce genre d'illusion, que de voir des familles chrétiennes, ça serait peut-être un choc salutaire et ça amènerait plus tard une conversion. Il a fait ce voyage et on a plusieurs lettres qui sont adressées à Foucault. Euh, depuis le Hogarth. Alors, il avait laissé aux gens des enveloppes, euh, des enveloppes déjà avec l'adresse, timbrées avec l'adresse, bon, et euh, du papier. Donc ça, ces lettres-là, elles sont écrites sur papier. Euh, bon, il y en a l'adresse. Des fois, les gens ont ajouté des choses après sur l'enveloppe elle-même, hein, des post-scriptum sur l'enveloppe. Donc ça, c'est sur papier. Mais il savait qu'il fallait qu'il leur laisse du papier. Il n'y en aurait pas suivant. Il n'y en aurait pas sinon. Alors, il y a d'autres lettres écrites sur du papier, mais parfois avec des enveloppes réutilisées, donc des enveloppes qui venaient du laissé. Ce sont des lettres que lui a écrites l'Amenoka, le chef suprême du Hogar, Moussa Gamastan. Bon. On a une lettre d'ailleurs qui est très belle, et une lettre bon, qui est, je crois, importante, enfin, euh, où Moussa lui dit... Euh, euh, bon, il y a les salutations d'usage, et il lui dit, je te demande une chose, prie beaucoup pour moi. Ça, c'est intéressant, parce que Moussa, qui était profondément musulman, qui était très pieux, euh, ce qui ne gênait pas Foucault, même Foucault avait de l'estime pour sa piété. S'il avait des reproches à Moussa, c'est justement de ne pas être fidèle à sa propre piété, d'être temps en temps bon, un, peu, un peu rapace. Bon, euh, bon. Euh, euh, et Moussa était comme Foucault, quelqu'un qui était revenu à une vie de piété après une jeunesse galante et guerrière. Euh, bon, euh, mais on a cette chose tout à fait intéressante que Moussa, tout musulman qu'il est, bon, et tout musulman qu'il n'était pas question qu'il cesse d'être, s'adresse à Foucault comme à un homme de Dieu, comme c'est intéressant. Enfin, euh, bon, ça donne un aperçu. Ignoré jusque-là, enfin, qu'on soupçonne on dit pas jusque-là, sur le type de relation, sur la façon dont Moussa pouvait voir Foucault. Alors, on a d'autres lettres. Les lettres qui sont écrites quand elles sont écrites en France, ça vient de la tribu roturière qui était installée autour de Taman où Foucault avait ses amis les plus proches. Il parle beaucoup de l'affection qu'il avait pour ces gens-là, une affection dont il dit qu'elle leur était rendue. Et dans ces lettres, bien qu'elles soient très très brèves, on sent l'affection et la familiarité. Bon, là, bon, Foucault avait été quand même adopté. Bon, euh, par certaines familles euh, au moins. Peut-être que globalement, les Touaregs supportaient avec impatience euh, le joug français, bon, le joug de ces infidèles. Ça n'empêchait pas hein, l'amitié au moins avec cet individu et même avec certains des officiers français. Et une chose qui est intéressante, c'est que Foucault meurt en 1916. On est alors en pleine insurrection senoussiste. senoussia, c'est une confrérie euh, pan-islamique, hein, qui n'est pas seulement Touareg, loin de là, elle est surtout cise en Libye. Et une grande partie du Sahara, une grande partie du Sahel est entraînée dans l'insurrection. Moussa semble-t-il a hésité sur le parti à prendre C'est-à-dire qu'il s'est demandé s'il avait fait le bon choix. Et il avait fait, bon, sur les conseils de son propre maître spirituel, qui était un lettré, un lettré arabe installé au Mali, il avait fait le, le, le choix de se soumettre aux Français. Ce lettré lui avait dit, écoute. C'est le, le plus simple, ça évitera des souffrances, ça ferait des, bon, des, des, des guerres inutiles. Pactise. Fais ce que tu peux, pactise et celle de limiter les souffrances que cette domination étrangère va amener aux Français, mais accepte de jouer le jeu. Bon. Et il y a, y a un moment où le bruit court. Hein. On a dans les archives que Moussa, au début de 1917, est passé de l'autre côté. En fait, il a été capturé à un moment plus ou moins par. Le chef des, des insurgés, Kaosen. Est-ce qu'il y a donné des gages Est-ce qu'il lui a fourni quelques hommes Est-ce que. etc. Je ne sais pas. Où est-ce qu'il a hésité Est-ce qu'il s'est demandé si, de toute façon, les Français allaient être chassés bon, Je ne sais pas. On ne sait pas. Les archives ne permettent pas de trancher. Euh, bon. Bon, en tout cas, il, il a pu s'échapper il est revenu dans le camp français assez vite. Mais on voit la panique des Français pendant cette période-là. Bon, les télégrammes se succèdent. Bon, Ça veut dire que. La présence militaire française, c'est pas grand chose. Que sans l'aide, sans le consentement d'un certain nombre de chefs locaux, on ne pouvait pas tenir le Sahara. Et d'ailleurs, la Périne, qui avait été le commandant du de territoire des Oasis, était remonté au nord en 1910. On le rapatrie du front de la Somme en début de 1917, tellement la situation est catastrophique. Il trouve une situation militaire tellement compromise qu'il envisage de faire évacuer le Sahara. Les Français ne peuvent plus tenir ça revient donc en français, il se rallie. Mais même pendant un temps, après la mort de Foucault, euh, même la tribu roturière où il avait ses amis a pendant quelque temps pris le de parti des insurgés. Mais même dans cette période-là, même dans cette période-là, ils se sont souvenus de leurs amitiés. Ils ont capturé quelques officiers français et leurs, euh, ceux qui étaient avec eux, les autres senoulisistes, voulaient les fusiller. Et là, quand même, les Gralis c'est la tribu des Gralis, ont dit non. Non, non, on les épargne. C'était leurs amis, non. Bon, et puis ils les ont laissés repartir et puis ils sont revenus dans le camp français. Bon, quand ils ont vu que de toute façon, les Français restaient maîtres du jeu quand même. Bon, mais c'est intéressant, ça montre que c'est complexe. Je veux dire, bon, euh, pour les Touaregs globalement, y compris pour Moussa Gamastan, bon, euh, la domination française, c'est un joug douloureux, je veux dire bon, c'était des étrangers, des infidèles, ça c'était important. Bon, ça n'exclut pas que entre individus il y ait pu avoir des amitiés et même entre lui et Foucault probablement plus que ça. Je veux dire il l'a tenu comme un homme de Dieu, même si lui avait son maître spirituel qui était Sherbet, qui était cet arabe, cet arabe vivant au Mali. Et c'est dans ce livre ce que j'ai essayé de rendre. Bon, j'ai d'abord essayé de de rendre les Touaregs plus présents qu'ils ne l'étaient dans les biographies de Foucault, où ils sont juste en arrière-fond. Hein, bon. Alors que, bon, quand même, il a vécu, pas seulement il a travaillé sur leur œuvre, mais dire, il voyait pas beaucoup de français. tant temps en temps, les officiers étaient là, il avait quelques visiteurs. Bon, mais les gens qui venaient le voir, c'était des Touaregs. Il a baigné dans un univers linguistique Touareg. Bon, il passait 11 heures par jour sur leur langue, et puis les gens qu'il le voyait, c'était des Touaregs. Il faut, faut qu'une vie de Foucault. Fasse sa place à ça. C'est ce que j'ai fait, de faire où je parle seulement de la, 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 période, la période où Foucault vit en pays Touareg, où j'essayais de rétablir un, un certain équilibre, essayer de me rapprocher de ce qu'avaient été les faits. Bon. Et je suis un peu désolé qu'il y ait encore des biographies parues récemment. <laughs> Touareg ne sont, sont pas présents autant qu'ils l'ont été effectivement dans la vie de Foucault. Bon. Euh, mais c'est comme ça. Et tout ce qui se dit aujourd'hui sur Foucault, c'est un peu ça. Oui, il a vécu. Oui, il a... Bon. Et ça, je sais que j'en ai discuté avec notamment ce, 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 ce frère, ce petit frère de Jésus, là, qui, euh, ses frères Antoine Châtelard, hein, qui m'avait donné des cours sur la langue du Hogar au tout début. Et il m'a dit, mais tu sais, quand on n'a pas vécu avec les Touaregs, il y a des choses qu'on ne sent pas. Et je pense que les biographes, et ça, un autre frère qui vit là-bas, m'ont dit, mais oui, mais non, pas touché ces choses-là. Bon. Bon. Euh, 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 et du coup, il y a quelque chose qui manque dans, dans, dans les, 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 les vite Foucault. Bon. Je prétends pas avoir écrit une vite Foucault, mais j'ai essayé de faire un essai, oui, au moins le suit dans sa période Touareg, dans ses travaux, dans ses relations avec les Touaregs, dans ses tourments, parce qu'on a quand même, bon, je veux dire, c'est ce que donnent aussi les biographies. Il y a le jour de sa conversion, c'est en octobre 1886. C'est fini, c'est la fin de sa vie de prêcheur. Tout, dire non, et c'est resté un homme extrêmement tourmenté, très, monté, très longtemps, très longtemps. Et je crois que finalement, c'est il s'est trouvé dans une situation, où il était obligé de sortir de lui même d'arrêter de, 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 de sauto flageller je veux dire, Il était travaillé sur leur langue. Il était ouargué, était là. Bon, euh, il avait pas prévu d'interagir avec eux autant que ça, bon, ça l'a obligé de sortir lui-même. D'une certaine manière, les Touaregs l'ont sauvé de ce que j'appellerais son hypochondrie spirituelle. Parce qu'il y a ce côté-là, Enfin, très nettement pendant longtemps. À la fin, il a l'air plus serein. En tout cas, il passe moins de temps à s'autoflageller. De toute façon, il a trop de travail. Bon. C'est pas pour rien que les fondateurs de grands ordres, au moins d'ordre laborieux, prévoient 8 heures de travail, si possible manuel. Là, il avait plus que 8 heures. Un travail très prenant, qui n'était pas manuel, qui était très prenant. Alors à côté de Charles de Foucault, il y a un autre personnage dont la vie m'a intéressé, qui est Henri Duverrier. Et j'ai donc été amené à écrire une biographie d'Henri Duverrier, qui n'est pas un simple auto essai biographique comme Foucault, qui est une biographie où je le prends de, de la naissance à la mort, la mort tragique, on va le voir. Bon. Euh, alors, il a fait un séjour au Sahara. Euh, de mai à peu près 1859 à euh, l'automne hein, à l'automne 1861 27 mois et sur ces 27 mois il en avait à passé à peu près 6 chez les Touaregs à Gers, ces Touaregs bon, qui avaient été qui ont plus tard été en guerre avec les Touaregs du Hogar des hein, Touaregs vivant sur les confins les actuels confins euh, algéro libyens Alors, mon, dans mon DEA, c'était une de mes sources du verrier, On a ramené un livre, ou plutôt à son retour il a écrit, c'est plus compliqué que ça, il n'a pas tout à fait écrit. En tout cas, il a publié un livre, il est rentré donc en, en 1861, et en 1864, il a publié un livre, Les Touaregs du Nord. Qui est, on peut dire, le premier livre d'ethnographie, le mot n'existait pas encore, euh, euh, bon, euh, sur les Touaregs où a, il n'est pas question que des Touaregs, hein, mais il y a des aperçus sur le, leur vie familiale, leur vie sociale, bon, sur la, la hiérarchie sociale. Bon, on parle déjà de la hiérarchie entre nobles, roturiers, euh, esclaves. Bon. Le rôle de la femme, déjà on voit cette importance du rôle de la femme. Bon, Ce n'est pas très, très approfondi, mais c'est précieux parce que bon, c'est le premier texte important qu'on ait sur les, euh, sur, euh, les Touaregs. Mais euh, on savait, ça fait partie des choses qu'on savait euh, dans le milieu, dans le, dans le milieu des gens qui travaillent sur les Touaregs. On sait que petit A, c'est peut-être pas lui qui a écrit son livre. Petit B, il a eu un amour tragique, un, amoureux, bon, un amour malheureux. Petit C, il s'est suicidé. Bon. Il est né en 1840. Hein. Ce voyage, il l'a fait, il était jeune. Hein. Il a commencé, il avait 19 ans. Il avait d'ailleurs fait un court, un court voyage à, à, à La Gouatte. vraiment un voyage de quelques semaines, dont il a tiré un petit journal euh, qui a été publié, mais qui a été publié hors commerce après, après sa mort. Bon, et on un éditeur m'a demandé de le rééditer. Ré ré bon, bon. On a ce texte assez touchant d'un gamin de 17 ans. Là, il l'a fait en 1847. Bon. Tout le temps que je travaillais, c'est. Jusqu'en 2000, je travaillais sur les Touaregs, on savait qu'il y avait du verrier, à propos duquel il y avait quelques mystères. Bon. Et il est venu un moment où je me suis dit, bah, ben, vais... faut que je regarde. Bon. Et... Alors ce qui s'est passé, c'est qu'à son retour du voyage, il a probablement eu le typhus, il est tombé très gravement malade, bon, problème intestinal, il a été euh, près d'en mourir, Et, mais pendant quelque temps, il a perdu la raison, il a perdu la mémoire, il a perdu la raison. Vraiment, il, est... il était l'hôte d'un ami de son père à Alger. Donc, à son retour, il était l'hôte du docteur Varnier, qui a joué un rôle après par la suite dans la colonisation. Bon, ça c'est une autre affaire. Bon. Euh, du docteur Varnier. Et le problème, c'est qu'il fallait rendre un taxe, il fallait rendre un rapport, parce que son séjour avait été en partie financé par des subsides gouvernementaux. Il était censé rendre un rapport. Et il semble que euh, Varnier s'est emparé des notes de Duverrier et a rédigé le rapport. Alors, qu'est-ce qui reste des notes de Duverrier Qu'est-ce qui est de Varnier Il n'est pas possible de le rétablir entièrement pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas la totalité du journal de voyage de Duverrier. Ça. On n'a pas la totalité du voyage du Verrier, on en a quand même une partie qui a été publiée. On a son voyage jusque, disons, les premières semaines de son arrivée chez les Touaregs. Mais le premier travail que j'ai fait chez, sur Du Verrier, ça a été de comparer ce qu'on a de son journal, ce qu'il dit, avec ce qu'il y a dans, dans le livre. Et il y a. Ça m'a prouvé ce qui m'a rassuré, parce que du... Varnier est un bonhomme infâme. Bon. Je préférais quand même que le livre soit le plus du verrier possible. Et pour au moins ce qu'il était possible de conserver, pour le, le, le peu du journal qui était conservé, si on compare à ce, qui... ce que c'est devenu dans le livre, les données sont à peu près les mêmes. Simplement, il a fait ce que font beaucoup d'ethnologues. Là où c'était des choses très circonstanciées, c'est un tel m'a dit que, à tel endroit que, ça devient dans le livre, les Touaregs, les femmes Touaregs, les etc. Classique. Bon, classique. Bon. Mais il est donc possible qu'il n'y ait rien eu de plus que ça. Bon. Euh, donc on peut dire, en tout cas, le peu qu'on a de disponible, mais ça changera peut-être si un jour on trouve, mais où le trouverait-on, la totalité du journal de Duverrier euh, en tout cas elle n'est pas dans les archives hein. c bon, euh, la partie non publiée dans, dans le, le, les cartons du Verrier fin, de, des archives nationales elle n'y est pas ça permet de dire que ça reflète en gros ce qu'il a recueilli simplement les choses ont un tour plus systématique que ça ne l'a chez lui bon, c'était mon premier travail alors il y avait quand même autre chose c'est que du Verrier c'est pas n'importe qui il était né dans le Serail-Saint-Simonien Saint-Simon, qui était un arrière-petit-neveu du, du mémorialiste, hein, Saint-Simon était un utopiste qui est mort en 1825. Hein, bon. Un utopiste, euh, l'un des premiers socialistes, je crois que c'est avec lui que le mot apparaît. Bon, le, bon. Euh, et qui avait réuni autour de lui quelques disciples. Et il y a eu. Y a eu une espèce d'église saint simonien saint -Simonien, celui qui a joué un rôle important dans cette église-là, c'est pas, c'est quelqu'un qu'il avait assez peu connu de son vivant, c'est Prosper Enfantin. Euh, Prosper Enfantin qui est devenu un peu, le, qui a donné une tournée religieuse hein, au sénat des gens qui conservaient la mémoire de, de, de Saint-Simon et qui essayaient de propager ses idées. Bon. Euh, c'est au intitulé, ou il a été intitulé par les disciples, le Père suprême. Bon. Alors, il y avait au départ deux Pères suprêmes, et puis il y a eu un schisme, bien sûr, deux Pères suprêmes, ça fait beaucoup quand même. Hein. Bon, il y a eu un schisme, et euh, l'autre, qui est bazar, est parti. Bon. Euh, donc, et euh, Prosper Enfantin est resté le Père suprême de l'Église Saint-Simonienne. On ne disait pas l'Église Saint-Simonienne, mais du Cénacle Saint-Simonien. Bon. Et... Euh, parmi les apôtres, enfin, les proches disciples, hein, on peut dire, il y avait euh, le père de Duverrier. Duverrier père, euh, qui était un écrivain et publiciste, euh, bon, euh, quelqu'un qui, 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 qui a eu des amis, euh, comment il s'appelle, Georges Sand, on dit quelques mots, on, on parle avec sympathie, avec même tendresse de, 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 Duverrier, bon, de Duverrier père. Bon. Et donc, Duverrier, euh, Henri Duverrier, le fils, a grandi dans ce milieu-là, où le poids du père était très lourd. Bon, en particulier, bon, euh, c'est en 1932, le, le, le père avait pris 40 des plus proches disciples et avait euh, formé un conventicule. Euh, à Ménilmontant, qui était à l'époque séparé de, de, de Paris, dans une ferme possédée par sa mère. Enfin, sa mère avait une ferme. Et euh, là, c'est à l'endroit où il y a aujourd'hui, en haut de la rue Ménilmontant, il y a le square des Saint-Simoniens. La ferme était là. Il y a d'ailleurs une plaque. Il y a eu pendant quelques semaines, donc, ses disciples ont vécu une vie religieuse, bon, euh, sans femme, donc une vie dans la chasteté. Alors, d'après ce qu'ont dit certains spécialistes, ils faisaient des fois un peu le mur mais ça dans les livres officiels, ça n'apparaît pas. Bon, Et sans femme, ça voulait dire, il faut voir ce qu'était la société d'alors, c'est que c'est eux-mêmes qui devaient faire la cuisine et la vaisselle. Et on a même des tours, hein. aujourd'hui un tel fait la cuisine, un tel fait la vaisselle. Bon. Et Duverrier, père, le, le nom ne revient pas, le Duverrier, je crois que c'est Michel Duverrier, père, et ils avaient un uniforme, ils s'étaient fait dessiner un uniforme, euh, un uniforme d'ailleurs dont le, la, la blouse ne pouvait se boutonner que dans le dos. C'est-à-dire que j'avais besoin de l'aide de mes frères, ils étaient frères entre eux, pour boutonner ma blouse. C'était, on dirait, il fallait comme ça, de façon concrète, sentir qu'on avait tous besoin les uns des autres. Et sur le devant de la boue, ils avaient leur nom ou leur titre. Alors, le père de Duverrier, son titre, c'était Poète de Dieu. Le titre de Prosper Enfanté, c'était tout simple, Le Père. Bon, les autres, ils avaient mis leur nom. Bon. donne une idée de ce qu'était Prosper Enfanté. Euh... Duverrier grandit là-dedans, mais à l'époque l'église saint suménaire en 1840, l'église Saint-Simonienne s'est dispersée, mais quand même là, il là, y, y a des gens autour du père qui, 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 qui parlent de lui comme le père en soulignant trois fois son nom. Le père, il hein, bon, euh, y a quand même bon, une ambiance particulière autour de ce personnage. Bon, euh, alors les Peut-être pas, peut pas, le, peut du Verrier, enfin le père d'Henri du Verrier, mais ils ont été passés quelque temps en Égypte. Euh, en Égypte où ils ont, c'est des gens qui étaient beaucoup d'ingénieurs et de polytechniciens dans ce milieu-là. Ils ont proposé leurs services à Mehmet Ali qui modernisait l'Égypte. Ils ont même proposé des plans pour un canal, le canal un canal de, de Suez. Bon. Ça n'a pas marché finalement, ils ont commencé, mais ça n'a pas marché. Bon. Mais ils ont mis sur scène, plus tard, ils ont mis en selle Ferdinand de Lesseps, bon. ils qui était consul consul en Égypte, ou vice-consul, et ils l'ont installé comme président société, du société du canal de Suez. Mais Lesseps, une fois qu'il était installé là, il les a poussés dehors. C'est farfelu de Saint-Simonien, on n'en veut pas. Bon. Donc le. le... C'était peut-être une idée entre autres Saint-Simonienne, mais pas seulement, puisque Bonaparte y avait pensé lui aussi. Euh, mais ça s'est fait sans les Saint-Simoniens. Bon. Mais euh, à l'époque où Duverrier est né, bon, euh, euh, Prosper Enfantin est revenu, il est maintenant président-directeur général d'un certain nombre de sociétés. Bon. Euh, et euh, le Saint-Simonisme a pris une tournure plus pratique. Saint-Simon Saint avait pensé dès avant 1825, dès avant sa mort, ce qui n'allait peut-être pas de soi, que l'industrie allait changer le monde. Et il fallait donner le, 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 le pouvoir à ce qu'il appelait les producteurs, où il mettait tout à la fois les chefs d'entreprise et les ouvriers. Pour lui, c'était les producteurs. Bon. Hein, il fallait que le, le, le pouvoir ne soit plus détenu par des oisifs, mais par les producteurs, la classe des producteurs. Et on peut dire que le rôle qu'ont joué dans, dans l'industriation de la France, l'ensemble le de Saint-Simoniens, euh, et, et, est en lien avec les idées de, de, de Saint-Simon. Ils ont joué un grand rôle après auprès de Napoléon III. Que certains historiens, François Furier, présentent comme un Saint-Simonien, c'est exagéré, mais c'est vrai que les Saint-Simoniens ont été bien en cours. Bon. Euh, alors, Henri Duverrier grandit là-dedans et très tôt, il a envie de devenir euh, explorateur, d'aller vers des pays inconnus. Alors, ça, ça se passe en. On est sous Napoléon III, hein, son voyage commence en 1859. Sa famille a, a assez dentre gens pour lui faire obtenir des, des, des subsides. D'abord, les Saint-Simoniens l'aident il y a aussi des banquiers parmi les Saint-Simoniens. Donc, le début de son séjour, c'est vraiment uniquement des fonds Saint-Simoniens. Puis les fonds s'épuisent. Alors là, ils obtiennent des fonds gouvernementaux euh, contre euh, la promesse de faire un, euh, un rapport parce qu'on veut rentrer, je veux dire, on veut développer le commerce transsaharien. Il n'est pas question à l'époque d'occuper le Sahara, ça c'était à l'idée de personne, mais on avait envie de développer le commerce transsaharien -trans et donc de s'entendre avec les gens sur place. Bon. Donc l'idée c'était de préparer les esprits à l'idée. De, de, de liens commerciaux avec ce qu'on appelait la colonie algérienne. Et une partie du livre de, 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 du Verrier est consacrée à ça, au centre commercial. Bon, ça, c'était ce qu'il avait dû faire. C'est le travail qui lui était commandité. Et ce qui est intéressant, alors dans le livre, j'ai dit il y a quelques aperçus sur la société Touareg, je crois que ce qui est plus intéressant, c'est le peu qu'il dit dans son journal, parce qu'on le voit interagir. Bon. Et aussi dans sa correspondance, on voit que alors euh, le personnage auquel il a affaire c'est un personnage qu'on voit apparaître dans les poèmes du père de Foucault plus tard ces poèmes guerriers justement à l'époque des guerres bien plus tard entre les, les gens du Hogar et les gens de la Gère c'est Ernoren personnage qui semble avoir été un grand caractère qui était qui n'est pas lui qui avait le titre de chef des des, 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 des Calager, mais c'est quand même lui qui était le personnage le plus, impuissant, euh, le plus influent et euh, il semble avoir été désarmé par la jeunesse de Duverrier, et s'être pris pour lui d'une espèce d'affection. Il a commencé par le dire « T'es bien, bien jeune, hein, pour... Euh, bon... Parce que Duverrier arrive, bon... Oui, il faudrait signer un traité, euh, un traité, de, une convention commerciale avec la France. » Et Renaud Rennes lui dit « Écoute, fiston, doucement... Et puis on voit là parce qu'on a ces lettres et on a un peu dans le journal. Bon, d'abord, Irnoufren lui dit, écoute, moi je veux bien te promener parmi les centres commerciaux, mais on est là, on est, on est un peu sous l'orbite des Turcs. Il faut que tu me ramènes un firman, un document officiel des, des Turcs. Donc, Duverrier doit euh, doit repartir à, à Radames, hein, qui est aujourd'hui en Libye, juste à la frontière, obtenir un firman et revenir. Bon et à son, à son retour enfin, ça c'est pas dans le journal parce que le journal s'arrête avant et euh, ça montre à quel point il était assez paternel lui dit oulala t'as maigri hein, euh, bon, euh, bon. et il le prend un peu sous son aile bon euh, et ça ça euh, Bon, le journal a été publié, peut-être que maintenant il est disponible en ligne. Ça, c'est intéressant, ça donne un aperçu assez intéressant de la société de Touareg, finalement plus riche que ce qu'il y a dans le livre lui-même. Et on voit aussi à quel point, si puissant qu'il qu soit, euh, mais ça, ce n'est pas dans le journal, c'est dans la correspondance, Irnohan ne peut pas tout. Et ça, c'est une chose qu'on sait. Les chefs Touareg, bon, ce que dans la littérature on appelle les chefs suprêmes, ils sont, ils sont chefs si on veut bien les suivre. Hein. Notamment, il euh, y a des, certains de ces... Euh, des tribus, euh, euh, tribus roturiens qui sont théoriquement, enfin dans sa mouvance, ont été pillés euh, des gens, des gens qui sont venus se plaindre auprès de lui, et Irnorel leur demande de restituer ce qu'ils ont pillé, que ça ne se fait pas, ils ont pillé des, des tribus maraboutiques, des religieux, rendez-leur, et les gars lui disent écoute, hein, bon, viens les chercher, hein, bon. parce que c'est un peu comme ça en réalité, je bon, j'ai bien qu'il y a des nobles, des roturiers, mais bon... Euh, le chef de la tribune noble, il ne fait pas toujours ce qu'il veut. Donc, ça, on a, on a tout un tas de photographies dans, ce que, dans la correspondance de Duverrier, dans, dans son journal, assez intéressantes sur ce qu'était la, la, la société Touareg de l'époque. Et on le voit taquiné par les demoiselles. Ça, ça n'a pas changé, je dois dire que ça n'a pas changé. Les demoiselles sont taquines quand un jeune étranger arrive. Bon, on est intéressé, parce que c'est toujours intéressant de voir une tête nouvelle, mais bon, on le met dans l'embarras, on le, bon, les gens qui me disaient, quand il y avait quand je me trouvais comme ça face bon, à tout un cercle de jeunes de moins il y avait toujours une qui me disait Allez, dis-nous, c'est laquelle que tu préfères Bon, situation un peu embarrassante, et du Duverrier, on lui fait le coup. Enfin, non, ce n'est pas Duverrier, Duverrier, on lui fait pas le coup. On l'a fait à un autre voyageur qui est venu avant, qui est Richardson. Oui, ça, Allez, dis-nous. Il s'en est très bien tiré en disant oh, Écoutez, vous êtes toutes si belles que je ne peux pas choisir. Il y a une vieille qui lui dit mais si il fallait choisir et Richardson raconte et dit je vois dans le regard de ces dames qu'elles apprécient la façon dont je m'en suis trié ça je trouve que ça n'a pas changé par rapport au temps où j'étais bon. Euh, bon donc ça oui ça duverrier est précieux de ce côté là bon, bon. mais il y a aussi autre chose c'est que bon il a fini euh, il a fini tragiquement il s'est suicidé à 52 ans on peut pas, je m'étais dit peut-être que je saurais, mais sait-on pourquoi quelqu'un se suicide, on voit qu'en tout cas, il, il, il a été un personnage important, il est revenu bon à un livre qui a fait date, il est considéré comme un expert, et puis le temps passe. Les temps changent, on l'écoute plus ou moins. Bon, euh, bon, je crois qu'il a souffert de voir que d'abord il pourrait pas. Il avait espéré pouvoir faire un deuxième voyage, mais qui ferait pas. Il en a fait un au Maroc, mais ça s'est pas très bien passé. Il a, il se rend compte qu'il bon, c'est fini. Il est plus explorateur. Bon, il le sera plus. Il repartira plus. Bon, euh, on l'écoute plus ou moins. Alors en plus, quelque chose qui s'est passé, c'est que on envoyé envoyé des gens. Euh, on avait l'idée de faire un chemin de fer transsaharien. Euh, donc, on a envoyé deux missions d'exploration et la deuxième a fini par un massacre, un massacre assez fameux dans l'histoire. C'est le massacre de la mission Flatters. Les gens sont tous massacrés assez cruellement par les Touaregs du haut en 1880. Euh, et des gens lui ont dit, oui, lui ont reproché d'avoir donné une image trop idyllique des Touaregs. C'est à cause de lui que des gens s'étaient fait massacrer, parce que d'autres explorateurs se sont fait massacrer après. Mais. Euh, les choses ont changé, c'est-à-dire que les gens commençaient à sentir la pression de la France. Bon. Au moment où du Verrier est allé, les Français étaient lointains. Bon. Bon. Là, on commençait à les voir descendre et on commençait à comprendre qu'ils descendraient de plus en plus bas. Du coup, les explorateurs européens, pas seulement français, qui se présentaient, on commençait à les voir comme l'avant-garde d'une armée d'occupation. Du coup, ça se passait moins bien. Du coup, il y a eu, bon dont certains ont rendu meurtres dont certains ont rendu euh, du verrier coupable alors à chaque fois il essayait de décharger les Touaregs en disant oui mais non d'ailleurs c'est peut-être pas des Touaregs c'est peut-être des arabes il était avec cette euh, bon c'est quelque chose qui a euh, qui... Qui a, qui a beaucoup fleuri pendant la période coloniale, les, les berbères d'un côté, les, les arabes de l'autre. Les Touaregs sont des berbères, sont des gens loyaux, ils ne sont pas comme les arabes, bon, ça ne peut pas venir d'eux. Bon. Et puis quand il a vu que, quand même, ça a été des Touaregs, bon, mais oui, mais ce n'est pas lesquels, chez cherche qui j'ai été. On sent que jusqu'à la fin, il veut garder intact ce souvenir de jeunesse. Ces quelques mois qu'il a passé avec les Touaregs. Bon. Et à la fin, il dit encore j'entends encore la voix, dire Mourem. Mais cette voix est devenue lointaine, bon, dans un monde qui avait changé depuis cette époque. Bon, et en tout cas, il est mort. Oui, alors cette vie de Duverrier, hein, j'ai parlé de son séjour chez les Touaregs, dont il a gardé toute sa vie un souvenir qu'il a voulu, dont il a voulu préserver la pureté. On sent ça dans ses écrits. Dire Bon, euh, je ne me suis pas trompé, les Touaregs étaient bien tels que je les ai connus ce monde était bien tel que je l'ai connu. Si ça a changé, c'est qu'il y a des raisons extérieures. Et l'une des raisons qu'il invoquait, qui était extérieure au Touareg, c'est la confrérie Senoussis. Parce que cette confrérie qui a mené une insurrection, qui a failli chasser les Français du Sahara en 1917, insurrection au cours de laquelle Foucault est mort, cette confrérie existait déjà. Elle a été fondée dans les années 1830. Alors il y a quelqu'un qui a travaillé qui a fait un énorme travail euh, là-dessus un travail dans lequel il y a deux chapitres consacrés à Duverrier euh, qui est Jean-Louis Trio c'est la légende noire de la Sonnusilla bon. euh, au départ la Sonosia, c'est une confrérie un peu une confrérie des saints du, du dernier jour enfin des gens qui qui veulent se mettre dans des lieux isolés et euh, attendant la, la venue de l'homme de l'heure hein, comme on l'appelle hein, de, bon, de celui qui préparera la fin des temps donc, des gens euh, qui évidemment ne voyaient pas d'un très bon œil les, 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 les infidèles hein, qui commençaient à, à s'installer en Algérie. Bon. Bon. Mais on a très tôt nourri toute une légende noire justement sur la Sénocilla. Hein, bon. On en a fait une confrérie guerrière, euh, fomentant, je dire, responsable de tout ce qui pouvait se passer d'hostile aux, aux Européens, aux Sahara. Et Duverrier a adhéré à hein, cette légende noire et a fortement contribué à la répandre. Et je crois voir assez bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'était lui qui, qui, qui voulait que le, les Touaregs soient restés tels qu'il les avait connus et tels qu'il les avait décrits dans son livre. Bon, qui est quand même son livre, malgré tout, même s'il n'a pas tout écrit. Bon. Ce en quoi éventuellement il pouvait avoir changé, ça venait d'un facteur extérieur, la sonocie. Et il a écrit, alors que son premier livre, les, publié en 1864, est un livre assez iréniste, qui donne une vision assez iréniste de la société Touareg, Bon, justement on lui a reproché, euh, il a écrit en 1884 un livre qui est un livre qu'on peut dire halluciné, qui est La confrérie maraboutique, la confrérie maraboutique de Sidi Ben Ali la qui est un petit livre bon, euh, où il rend la Sonocia responsable de tout ce qui a pu se passer au Sahara, euh, partout, hein, vraiment depuis, euh, euh, depuis l'oasis de Koufra et même plus loin, hein, depuis l'Égypte hein, <laughs> jusque très à l'ouest. Bon, un livre fou, on a sans halluciner en tout cas. Bon. Euh, on sent que vraiment dans sa relative solitude, enfin, et semble-t-il, c'était quelqu'un bon, tempérament assez morose, il a eu beaucoup de mal à se remettre de sa, sa maladie. On a, on, on a des témoignages sur lui, où on, lui où on le dépeint comme quelqu'un qui apparaît souvent comme, comme assez morose. Euh, la Senoussia devient dire, un fantôme qui, qui, occupe, qui, qui occupe sa vie. Et de façon assez intéressante, et c'est ce que montre euh, euh, Trio très bien dans son livre, c'est que les gens, les Européens, Français et Anglais, ont commencé à agir vis-à-vis -vis de la sonosilla selon l'image qui s'en propageait, image parfaitement infidèle. Bon, et à être eux, enfin, eux un comportement hostile vis-à-vis -vis de la sonosilla. Et au bout du compte, mais ça c'est venu au tournant du siècle. La Senusuya est devenue ce qu'on disait qu'elle était. Mais elle est devenue ce qu'on disait qu'elle était parce que ça faisait 20, 30, 40 ans qu'on disait qu'elle était ça. Une confrérie, une sombre franc-maçonnerie conspirant dans le désert contre les Européens. Elle a fini par le devenir, oui bien sûr, à force. Et je me souviens que bon, quand... Est-ce qu'il ne s'est pas passé des choses un peu semblables Est-ce qu'on n'a pas fabriqué aujourd'hui encore semblable, semblables monstres. Je me souviens qu'on a. Bon, euh, du Verrier euh, décrit, d'après des témoignages très indirects, ce qu'il y a dans l'oasis de Koufra, qui est, paraît-il, paraît le, le, le chef-lieu enfin, de, de la confrérie. Il y a des arsenaux, il y a, de, bon, il y a des canons, il y a des bons. C'est à peu près le genre de choses qu'on disait euh, des grottes en Afghanistan euh, pour chasser Ben Laden. On, non, ce qu'on a trouvé dans les grottes, ce n'était pas grand-chose. Hein. Bon, euh, là, il y, y a aussi bon, l'Occident le, fabrique les monstres qui deviennent effectivement monstrueux. Bon, après, bon, la Sonosia, oui, a eu un effet militaire certain. Bon, bon. Et du Verrier, bon, c'est que déjà avait fait ressortir Foucault, ce euh, que fait ressortir Trio dans son livre sur la légende noire de la Senosia, et ce, que, je dire, ce, qui, ce qui apparaît dans mon livre. Bon, ce sur quoi j'ai mis l'accent, parce que Trio avait déjà fait son travail, ce n'était pas la peine de le redresser, c'est comment ça s'inscrit dans sa propre psychologie. Il lui fallait une Senosia mon, monstrueuse pour préserver la pureté de ses souvenirs d'enfance, qui était ce à quoi il se raccrochait dans un monde qui lui devenait de plus en plus étranger. Le monde de l'exploration saharienne n'était plus le même. Et on était passé de l'exploration scientifique à l'exploration qui était l'exploration de conquête. J'ai quelques collègues qui travaillent sur ce thème. Il y a vraiment un changement du style d'exploration entre Duverrier et, et ses contemporains. C'est à partir de 1800, euh, fin 1880, 1890, qu'on passe à l'exploration guerrière. Et au moment où il meurt, on est, on est dans l'exploration guerrière. Ça change l'exploration de conquête. Ça change complètement. Ouais, d'énormes colonnes armées, on... Bon. on fusille s'il le faut, les guides quand ils ont l'air de mentir, enfin bon, bon, Donc il était devenu au monde de l'exploration, étranger au monde de l'exploration. Bon. Il y a aussi autre chose, et ça m'a occupé dans ce livre. Bon, euh... Par... Parmi les choses que tous nous savions sur du nous qui travaillons sur les Touaregs, il y avait... Parce qu'il y a une biographie de lui qui est apparue en... 1946, hein, euh, de Potier, enfin, c'est un livre très médiocre, enfin bon, euh, mais bon. où il était question d'un amour, il avait été amoureux et fiancé de la fille de Prosper Enfantin, mais Prosper Enfantin s'est opposé à ce mariage. En plus, il y avait ça. Il y avait ce jeune homme qui, à 19 ans, passe quelques mois chez les Touaregs, meurt tragiquement, enfin, dans le désespoir, bon, et en plus, bon. Donc ça faisait partie de mes recherches, je voudrais bien savoir ce qu'il en a été. Alors ça c'est, bon, euh, il euh, bon, y avait les, les, les cartons du verrier et duverrier noir parce que son légateur universel, Duverrier est mort sans enfant, son légateur universel c'était son ami le géographe Maunoir. il euh, y a un, des cartons duverrier noir à la Société de Géographie. Mais j'avais repéré, alors j'explique dans mon livre comment petit à petit je suis repéré à, à quelqu'un euh, repérer qu'il y avait quelque part un monsieur Martin de Clauzonne qui était un descendant du nièce de Maunoir qui apparaît bon alors heureusement il s'appelait Martin de Clauzonne. son père ou son père s'appelait Martin euh, ou son grand-père s'appelait Martin mais il avait accolé le nom de son père au nom de sa mère il s'appelait Martin de Clauzonne. heureusement parce que quand on cherche Martin dans l'annuaire on risque d'avoir du mal à trouver bon Martin de Clauzonne, c'est très vite il y avait un Martin de Clauzonne. Je lui ai écrit en disant, écoutez, j'ai des raisons de savoir, de penser que vous pourriez être le possédeur de, possesseur de certains papiers du, du verrier. Euh, bon, je suis en train d'écrire sur du verrier. Euh, J'aimerais bien vous voir. La réponse a été lente à venir et elle est venue, très courtoise, en disant, vous avez bien frappé à la bonne porte. Je suis effectivement, j'ai des papiers de du verrier. Venez chez moi quand vous voulez. Bon. Je Suis allé chez lui, je suis pas resté très longtemps, mais il avait préparé les, les, les papiers qui pouvaient me servir et il me disait Ben écoutez, mettez de côté ce qu'on n'avait pas le temps là. Et il allait, lui il faisait les retours alors qu'il était, il avait une canne entre euh, là où j'étais, la salle à manger où il avait étalé tous les papiers et l'étage où il avait une photocopieuse. Il me photographiait ce qui est ce qu'il me fallait et il m'a dit Bon, écoutez, ce que vous n'avez pas, qu pas fini de photocopier, mettez-le de côté, je les photocopierai, je vous enverrai une disquette. Ce qu'il a fait. Et il était question, entre autres, d'une Madame Guillaume. Alors, Madame Guillaume, parce que j'avais beaucoup lu sur le Saint-Simonisme, Madame Guillaume, c'est un personnage important du Saint-Simonisme. Euh, C'était la compagne tardive du Père Enfantin. Père Enfantin, euh, comme tous ces gourous de secte, hein, il, notamment, il a. Euh, tendance à considérer que le couple était une chose dépassée, c'est surtout les couples de ses collègues qui étaient dépassés, c'est-à-dire qu'il avait tendance à se servir à côté, chez ses disciples. Bon. Mais sur le tard, il a eu une compagne euh, plus jeune que lui, ça vient en 1847, elle devient sa compagne, Madame Guillaume, elle apparaît comme Madame Guillaume dans les biographies. Euh, alors là, parce qu'à l'Arsenal, à la bibliothèque d'Arsenal, il y, y a le fond saint-simonien. On a des lettres de ses disciples qui disent écoutez, bon, quand même, c'est ce que c'est des façons. De toute façon, c'est plus de votre âge. Qu'est-ce que c'est que ces manières bon, On sait qu'il y a une Madame Guillaume qui est son associée. Ça apparaît comme son associée. Et dans les papiers du Verrier, je trouve Madame Guillaume. Alors, par ailleurs. <laughs> Dans le journal de Duverrier, il y a des choses qui étaient conservées, il y avait des petits carnets au début, on a, euh, on a des choses écrites en allemand. Des choses écrites en anglais, mais son père pouvait lire l'anglais, bon, sa mère était anglaise, elle était, morte, elle, était, elle était morte quand lui avait 14 ans. Bon. Des choses écrites en allemand, et notamment il est question, quand il fait son voyage, quand il descend vers le sud, il s'arrête. Il est censé rejoindre à Oulin, près de Lyon. Un personnage important du Saint-Simonisme, euh, chez qui il doit passer quelques jours. Donc ce personnage l'attend, mais Henri Duverrier s'attarde sur la route. Il arrive après. Bon, et il est quand même très suivi par son père, il a 19 ans seulement. Et, et on a des lettres à son père où il dit Mais quoi, tu devais arriver à Oulin, tu n'es pas arrivé, qu'est-ce que tu as fait sur la route Bon. Mais dans le journal, on voit ce qu'il a fait sa route. Il s'arrête à Fontainebleau. Et on a quelque chose en allemand, oui, il est question d'une un, conversation qu'il a avec une personne. Alors oui, la personne dans le texte allemand n'est pas nommée. Une personne qui lui dit qu'il appelle une bien-aimée. Et nous étions là l'un contre l'autre, moi, ma tête posée sur ses épaules. Euh, et je lui dis à un moment, il manque quelque chose, il faut que nous donnions le soin à, à, à notre amour. Et là, elle prend un air désolé, elle lui dit, mais si on fait ça... Si on fait ça, je, 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 je partirai avec toi, je, 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 je pourrais. va, non, fais ton voyage, je te rejoindrai sous la tente. La no personne n'est pas nommée, euh, par contre, elle est, il euh, y a un texte arabe où elle est nommée, une phrase en arabe, j'ai vu Félicia, Félicia, jour terrible, bon, bon c'est Félicie, et on sait que c'est, dans la biographie de Potier. c'est Félicie, la fille de, bon. Et en fait, non, avec les recoupements que j'ai fait dans ce que j'ai trouvé qui nous, Félicie, c'est qui s'appelait Hortense Félicité Cassé, dite Madame Guillaume, parce qu'elle avait été l'épouse de Monsieur Guillaume, c'est la compagne du Père Suprême, la personne avec qui Duverrier passe une nuit à Fontainebleau, une nuit qui reste chaste, mais qui est quand très amoureuse, c'est la compagne du Père Suprême. Alors, ça faisait déjà un certain temps que je travaillais sur Duverrier. J'avais eu le temps, tout le temps, de détester prosper Confrontin. Et là, je veux dire, quand j'ai trouvé ça, quand j'ai réussi à éclaircir ce qu'il en était, ça m'a rempli de joie. Bon, le petit Duverrier bon, a aimé et a été aimé en retour, semble-t-il, de, euh, de la, celle qui passait pour la campagne du Père Suprême. Euh, alors, le Père Suprême meurt très vite. Après le retour, assez vite après le retour de Duverrier, en 1864, deux ans après le retour, au moment où le livre de Duverrier paraît, le père suprême meurt, et on sait, parce que bon, là j'ai réussi, ça fait partie de mon travail, bon, c'est toujours le côté délectable de fouiller dans les archives, je trouve que ça avait un côté enquête policière, qui a fait quoi, et on sait qu'il habite avec elle. Je n'en sais pas plus. Je veux dire, je, je sais en tout cas qu'il l'a aimée, elle a dit je t'aime, elle n'a pas rejoint sous la tente, je pense que la pression du père c'était trop. Elle ne pouvait pas aller au Sahara. Bon, euh, bon. Bon. Et en tout cas, ils ont vécu ensemble. Bon. Et il a beaucoup souffert quand elle est morte. Alors elle était plus âgée que lui. Elle était plus âgée, elle avait 17 ans de moins que le Père suprême, mais elle avait 17 ans de plus que lui. Mais il en parle comme Madame Guillaume, et il en parle dans ses lettres à Monoir, à son ami le géographe Monard, comme une personne qu'il l'aime beaucoup. Enfin, bon. Et on a une lettre, la lettre que Duverrier écrit à Monoir quand elle meurt en 1883. C'est au moment d'un court voyage qu'il a fait dans, en Libye pour préparer son livre sur la Sonosia où il lui dit tout son chagrin. Et lui dit ⁇ Essayez pas de me consoler, ne me dites pas que j'ai eu tort de vivre avec elle, je suis inconsolable. ⁇ En plus, c'est-à-dire qu'en plus, il a ce chagrin-là euh, qui, euh, bon, qui, euh, qui est venu. C'est ça, le, le duverrier de la fin, le duverrier des, des neuf dernières années. C'est un duverrier qui d'abord sent qu'il est passé de mode. Euh, et qui est, qui est seul, qui en plus euh, de vivre avec Madame Guillaume, ça l'excluait de la famille Saint-Simonien. De fait, on a bon euh, Madame Guillaume a été un peu ostracisée. cest dire que les Saint-Simoniens avaient bien admis sa présence quand tant que le vieux était vivant. Après sa mort, c'était fini. Hein, je veux dire. Comme Madame de Maintenon après la mort du roi, Madame de Maintenon. Était je dirais, elle se retire, hein. bon, là c'est pareil, et lui l'a accompagné un peu dans son, dans son exil, et il dit dans une de ses lettres, je me suis séparé de tous les amis de mon père, donc il vit dans une certaine solitude, bon. avec l'amitié, alors l'amitié fidèle de mon noir, bon. donc c'est un peu, du coup j'ai été dans cette affaire loin des Touaregs, mais j'ai accompagné du verrier. Enfin, ça m'a ça, ça pris, et... Euh... C'est là que j'ai mesuré ce que c'est. Bon, on a beaucoup de gens haut écrit sur ce que c'est qu'écrire une biographie. C'était un compassionnage qui a été long. Et je me suis retrouvé très seul quand j'ai fini. Ça, ça, Avec ce grand frère qui était un peu un grand frère, hein, qui, bon, un prédécesseur que, 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 pour qui j'ai eu de l'affection. Et que donc, oui, j'y pense encore avec une espèce d'affection. Je l'ai accompagné. Puis bon. après, je suis passé à Foucault, mais j'avais déjà commencé à travailler à Foucault, puisque c'est avant qu'on avait... Euh, travailler sur ses lettres, mais et après j'ai mis au point cet essai biographique sur Foucault, dont je me suis pas euh, senti aussi proche quand même.